Normalement, les prochaines vidéos à venir, si j'ai pas la flemme, parleront de la théorie des automates ou des problèmes ANP complets. Enfin, je verrai. Si j'ai pas la flemme. Salut! Il y a un peu plus d'un an déjà, j'avais conclu dans ma vidéo sur les différents types de complexité en disant que j'allais sûrement faire une vidéo sur la théorie des langages. Et bien, c'est ce que je vais faire. Je vais traiter ce sujet en plusieurs vidéos, et celle-ci est l'introduction à la théorie des langages. Je vais essayer, sans trop entrer dans les détails, d'expliquer ce qu'est la théorie des langages et quelle est son utilité. La théorie des langages consiste à décrire tout langage formel. Un langage formel est un ensemble de mots construit par un alphabet fini, c'est-à-dire comportant un nombre fixe de symboles dans l'alphabet. Quand je dis langage, on peut penser au langage parlé par les humains, mais ce n'est qu'une partie de ce que englobe la théorie des langages. En réalité, on retrouve la théorie des langages dans l'informatique, les mathématiques, la linguistique, mais aussi dans la biologie. À partir du moment où on a un alphabet fini qui permet de créer des mots, on a un langage formel. En linguistique, le langage formel est le langage naturel, c'est-à-dire le langage parlé par un humain. Chaque type de langage possède son alphabet contenant des lettres qui, en les assemblant, donnent des mots et qui, mis ensemble, donnent des phrases possiblement comprises par un humain. Par exemple, les phrases que vous venez d'entendre et que vous entendez sont en français. Le français possède son propre alphabet avec des lettres qui sont au nombre de 26, c'est l'alphabet latin, et qui engendre des mots qui sont pour la plupart compris par des personnes connaissant le français. Il existe des mots définis conventionnellement qui appartiennent à la langue française, mais il existe aussi des mots qui peuvent s'écrire avec l'alphabet français mais qui ne font pas partie de la langue française. Ainsi, le mot « bonjour » fait partie de la langue française, mais le mot « splurf », qui certes peut prétendre à un nouveau meuble chez Ikea, peut être écrit par le langage français, mais il ne fait pas partie de l'ensemble des mots de la langue française. De même, il existe dans le langage français des règles pour écrire une phrase, une manière de prononcer les mots ou les phrases afin d'être compris par un humain. Et il existe des manières de dire ou des constructions de phrases qui n'appartiennent pas à la langue française. Par exemple, la structure d'une phrase simple est sujet, verbe, complément. La phrase « Je suis malade » est bien une phrase de la langue française car elle respecte bien cette règle de structure. Mais la phrase « je malade suis » ne respecte pas la règle de la structure d'une phrase simple et ne fait donc pas partie des phrases de la langue française. Voyez-vous la différence ? En mathématiques, le langage formel est l'écriture des mathématiques par la logique du premier ordre ou calcul des prédicats. Il a plusieurs noms possibles. Au lieu d'utiliser un langage naturel comme le français, on utilise un langage international des mathématiques. On le voit par exemple dans les énoncés mathématiques ou dans l'écriture des théorèmes. La logique du premier ordre possède son alphabet et ses règles pour écrire des phrases que je ne vais pas détailler ici car cela alourdirait la vidéo, mais si cela vous intéresse, je peux faire ça dans une prochaine vidéo. Bref, globalement, si vous avez déjà fait un peu de mathématiques, vous avez déjà vu ce langage. Par exemple, on peut écrire en logique du premier ordre cette phrase-là. Peu importe un nombre positif sans virgule donné nommé x, il sera plus petit que le nombre qui viendra après lui. Et on peut noter cette phrase-là, comme ça, en logique du premier ordre. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer ce que chaque symbole veut dire. Du coup, l'espèce de A à l'envers est le symbole qu'on nomme le quantificateur universel. Et il veut dire, quel que soit, pour tout, peu importe. Et le x qui suit est le x auquel je fais référence dans ma phrase. On appelle ça une variable car sa valeur peut changer. Et toutes les valeurs que peuvent prendre ces variables sont contenues dans un ensemble nommé les nombres naturels qui sont les nombres entiers sans virgule, positifs. On note cet ensemble grand N. X pourra prendre les valeurs 2 ou 3 par exemple, mais ne pourra pas prendre les valeurs de 2,5, 1,5 ou racine de 2. Enfin, j'exprime la dernière partie de la phrase de cette manière avec le signe inférieur et l'addition x plus 1 se situant à droite, voulant dire que le nombre qui vient après x sera supérieur à lui. Donc si je le lis d'une traite, ça donne « Pour tout x appartenant aux entiers naturels, x sera strictement inférieur à x plus 1 ». Comme je l'ai dit, je ne vais pas détailler, mais des exemples de ce type sont légion et plus complexes si vous étudiez les mathématiques à l'université. On voit cela dans les cours de mathématiques ou durant les examens auxquels on pourra vous demander par exemple de prouver qu'une suite un converge vers L qu'on énoncera de cette façon. Dans tous les cas, ce n'est pas pour rien que dans la plupart des universités, il y a des cours sur la logique du premier ordre. C'est pour apprendre, comprendre et écrire le langage formel des mathématiques. En biologie et plus précisément en bioinformatique, on a un langage formel qui décrit la succession de nucléotides présents dans l'ADN. Pour faire simple, l'ADN se voit comme étant deux brins enroulés l'un autour de l'autre en forme de double hélice. Chaque brin possède des molécules plus petites nommées nucléotides et il existe quatre types de nucléotides.
les adénines, les cytosines, les thymines et les guanines. Un brin d'ADN est donc constitué de cette succession de nucléotides, et l'ADN est constitué de ces brins reliés par ces nucléotides. Et il faut savoir que seules les adénines peuvent être reliées uniquement aux thymines, et que les cytosines peuvent être uniquement être reliées aux guanines. Cette séquence définit donc le code génétique du vivant permettant de décrire son développement, son fonctionnement et sa reproduction. Et l'alphabet dans tout ça est composé de 4 lettres A, C, T et G correspondant à la première lettre de chaque nucléotide et les mots sont les combinaisons possibles qu'on peut avoir avec ces 4 lettres. En informatique, le langage formel se voit dans la création et l'analyse des langages de programmation. Si vous avez fait un peu de codage avec du Python ou autre, vous aurez remarqué qu'il faut utiliser une liste de mots-clés pour coder. Par exemple, si en Python je veux coder une boucle qui se répète 3 fois et qu'à chaque itération j'affiche dans le terminal seul 212, je pourrais l'écrire de cette façon. Ou si je fais de la programmation fonctionnelle et que je code en Scala, je peux avoir le même résultat dans mon terminal mais avec un code différent et avec l'utilisation de mots-clés différents. Autre exemple, en C pour créer une variable nommée nombre contenant un entier ayant la valeur 5, on écrira int nombre est égal à 5 avec un point virgule. Alors qu'en ce cas-là, on écrira juste val nombre est égal à 5. Ou si on veut être encore plus précis, on précisera le type. Tous les langages de programmation partagent globalement la même table de caractères, l'ASCII qui définit son alphabet afin de créer des mots-clés. Ce que j'essaye de montrer, c'est que les langages de programmation sont des langages formels dans la mesure où ils ont un alphabet et une liste de mots-clés constituant les mots du langage. Pour reprendre mon exemple de boucle, Python n'acceptera pas le code en Scala et inversement car il n'utilise pas les mêmes mots-clés alors qu'il partage le même alphabet. Donc on a vu que la théorie des langages est présente dans plusieurs disciplines, mais au-delà de formaliser un langage sous plusieurs formes, elle a un objectif tout aussi important, résoudre des problèmes grâce au langage. Bah oui, dans le cadre de l'informatique, au-delà de définir une syntaxe pour un langage afin qu'il soit utilisé par un programmeur, il faut que le compilateur vérifie si le code fourni est bien écrit. Dans le cas contraire, le compilateur devra énoncer les erreurs. C'est l'analyseur syntaxique. Mais avant, il faut que le compilateur comprenne ce que le programmeur a voulu écrire. Voulait-il créer une fonction, une variable? Voulait-il faire une boucle? Est-ce que les mots-clés que le programmeur a utilisés appartiennent au langage? C'est l'analyseur lexical. Dans le cadre de la bioinformatique, on s'intéresse à la recherche de séquences particulières de nucléotides dans un chromosome ou de détecter des ressemblances-dissemblances entre deux ou plus fragments d'ADN. Ces ressemblances génétiques vont servir par exemple à quantifier des proximités évolutives entre populations, à localiser des gènes remplissant des mêmes fonctions dans deux espèces voisines ou encore à réaliser des tests de familiarité entre individus. Ici nous avons un séquenceur qui est capable de fournir une grosse quantité d'informations très rapidement. On va étudier derrière des maladies génétiques. Il y a des maladies rares, il y a des maladies moins rares comme le diabète et différents cancers. Pour les mathématiques, l'objectif est de formuler des choses sur des objets en écrivant des énoncés afin d'expliquer la nature de ces objets et ce qu'on peut faire avec, de prouver que ce qu'on a dit sur ces objets soit vrai ou faux, ou d'en sortir des propriétés intéressantes à utiliser en pratique, par exemple comment calculer la trajectoire d'une balle, comment géolocaliser un objet dans le monde, etc. La mathématique, c'est une science dans laquelle on s'occupe, comme toute autre science, de décrire, comprendre et agir sur le monde, mais dans laquelle l'objet de l'étude est abstrait et dans laquelle le savoir s'accumule par l'outil des preuves obtenues par raisonnement déductif. De plus, avec l'aide des ordinateurs, nous pouvons écrire et vérifier des preuves mathématiques plus complexes grâce aux assistants d'aide à la preuve tels que Coq. Ainsi, on peut par exemple générer des programmes informatiques sans faille avec l'isomorphisme de Curie-Howard, car tout programme informatique est une preuve mathématique. Et ça, c'est beau. Donc là, on utilise un système de preuves avec lequel on vérifie des programmes ou des objets mathématiques. Je voudrais qu'il y ait une plus grande synergie entre les deux, qu'on fasse des programmes dans lesquels les mathématiques jouent un rôle important. Et le domaine d'application qui me fait vraiment rêver, c'est le domaine de la robotique. J'aimerais qu'on soit capable de dire tout le logiciel qui apparaît dans un robot a été vérifié par nos méthodes. Et la linguistique s'intéresse à la conception d'un langage naturel afin d'y étudier sa structure, ce qui permet dans l'informatique de concevoir des algorithmes capables de comprendre la langue de l'utilisateur pour lui proposer des corrections de phrases ou de mots quand celui-ci fait du traitement de texte, de pouvoir traduire un texte d'une langue A en un texte d'une langue B ou d'exécuter des tâches quand l'utilisateur l'ordonne à l'oral. Ou cacher un corps. Quel type de lieu recherchez-vous ? Cela nécessite alors de s'intéresser aux différentes règles qui régissent la langue, c'est-à-dire la construction des phrases, la règle de grammaire, de phonétique, le sens des mots, bref, le fonctionnement d'une langue. Première chose qu'on constate quand on parle des langues, c'est qu'elles sont différentes, elles diffèrent à tous les niveaux. Alors avec un certain nombre de collègues, j'ai proposé, il y a une vingtaine d'années,
une ligne de recherche qui essaye de cartographier justement les structures syntaxiques. Voilà pour l'introduction de ce qu'est la théorie des langages. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les automates et les grammaires qui permettent d'étudier les langages. Sur ce, à plus.